Previously on Lost. Salutations! La dernière fois, nous avons vu l'univers étendu de Lost, qui ne s'arrête absolument pas à la série. Un univers qui est à la fois ultra riche et ultra complet, surtout pour ceux qui veulent comprendre tous les mystères de l'intrigue. Et bien, dans ce deuxième épisode, on va dire le premier vrai épisode de cette chaîne, nous allons parler de l'île. Oui, l'île, la fameuse île, le point central de Lost, et qui même après plusieurs explications, semble toujours aussi mystérieuse. Avant de parler réellement de l'île, il me semble important de revenir en détail sur sa nature. Elle est située sur une énorme poche d'énergie électromagnétique reliée à d'autres poches similaires tout autour du monde qui sont à l'origine de nombreux phénomènes inexpliqués. Le premier endroit que l'on nous présente de cette manière est Uluru, en Australie, dans l'épisode SOS de la saison 2. Rose y est alors pour soigner son cancer par un certain Isaac. Et ce Isaac dit pouvoir canaliser l'énergie magnétique ou géologique de certains endroits pour guérir des maladies incurables. Il ne parvient cependant pas à guérir Rose, et lui explique que cet endroit ne peut rien pour elle, mais qu'un autre pouvant la soigner pourrait exister. Une fois craché sur l'île, le cancer de Rose disparaît. Nous comprenons que l'île fait partie de ces fameux endroits situés sur une énorme poche d'énergie. Cela nous fait donc deux lieux, Uluru et l'île. Et le troisième lieu que l'on nous présente de cette manière est une église de Los Angeles, sous laquelle se trouve la toute première station Dharma, la Lanterne. Héloïse explique à nos survivants qu'ils se trouvent sur une poche d'énergie électromagnétique et que cette station a été créée pour localiser les autres poches reliées tout autour du globe, et plus précisément l'île, dont la poche d'énergie est dite extraordinaire. Seuls ces trois endroits nous sont certifiés comme étant situés sur une incroyable puissance électromagnétique. Mais nous pouvons penser qu'il en existe peut-être d'autres, au moins deux autres. En effet, l'île se téléporte à la fin de la saison 4, et si les poches d'énergie sont reliées entre elles, et puisque l'île garde ses propriétés, il y a fort à parier qu'elle s'est déplacée sur une nouvelle poche. Le dernier lieu, lui, bien qu'il ne s'agisse ici que d'une théorie, pourrait être près de Medunin. En effet, quand on tourne la roue gelée sous l'orchidée, on se téléporte dans la partie désertique de la Tunisie, qui pourrait être, elle aussi, située sous une poche reliée aux autres, ce qui expliquerait pourquoi on se retrouve là-bas quand on libère l'électromagnétisme se trouvant derrière la roue. Dans L'Homme de l'Ombre, épisode de la saison 3, Olivia enseigne aux élèves de l'initiative Dharma que l'île a été créée à la suite de nombreuses éruptions volcaniques. Il existe d'ailleurs un volcan sur l'île que l'on peut voir sur la carte de Rousseau, de nombreux reliefs, des grottes formées par de la lave comme dans l'épisode 3 de la saison 3, et dans l'épisode SOS, Bernard utilisera des roches volcaniques. Il y a aussi une toute petite île proche de celle-ci, appelée l'île de l'Hydre. L'île principale ferait, selon la carte de Rousseau, 60 km de longueur et 45 de largeur. Je vous mets en description de cette vidéo une carte créée par un Losty, que j'ai d'ailleurs sur mon bureau, je l'ai imprimée, elle est vraiment géniale, qui nous permet de mieux resituer l'aventure de l'île. On y trouve plein d'informations comme l'emplacement des stations d'Arma, les baraquements, les emplacements de scènes importantes ou encore le cœur de l'île. En parlant du cœur de l'île, il est intéressant de noter qu'une fois le bouchon retiré de la source par Desmond, la lumière éclatante de l'électromagnétisme s'éteint et est très vite remplacée par la lave en fusion. Cette activité volcanique va commencer à désintégrer l'île. Le cœur de l'île a donc en particularité de retenir les activités volcaniques et les séismes engendrés par l'électromagnétisme. Et c'est bien entendu cette activité volcanique monstrueuse sous l'île qui a bien failli la faire couler dans le final de la série. Pour ce qui est de la localisation de l'île, il est impossible de la définir précisément. Pour s'y rendre, il faut soit passer par des fenêtres de l'espace-temps qui bougent sans cesse à travers la planète, soit s'y rendre en sachant ses coordonnées et suivre un cap en bateau précis, sous peine de passer à côté sans pouvoir la voir, en prenant aussi en compte que l'île s'est déplacée une multitude de fois, comme en témoignent les ossements d'ours polaires en Tunisie.
En raison de ses propriétés uniques en termes d'électromagnétisme, l'île est souvent considérée comme magique ou divine. Et c'est aussi et surtout le cas pour les anciennes civilisations qui y ont vécu, comme par exemple les Égyptiens qui inclurent même le monstre dans leur mythologie. Mais le monstre, ce nuage épais d'électromagnétisme et chargé d'électricité, a-t-il réellement quelque chose de magique ? L'île a-t-elle réellement une fonction première qui dépasse la science instaurée dans l'univers de Lost ? Eh bien, selon Jacob, oui. L'île serait en réalité un bouchon retenant une force maléfique en son sein qui pourrait détruire le reste du monde. L'île possède un protecteur qui devra s'assurer que la source reste intacte et que l'entité maléfique reste scellée dans le cœur de l'île. Nous connaissons actuellement 4 gardiens de l'île. La mère de Jacob, Jacob, Jack, puis enfin Hurley. Même si on peut deviner que Walt deviendra le prochain protecteur comme le laisse envisager l'épilogue de Newman in Charge. Mais rien ne nous confirme dans la série si les paroles de Jacob sont vraies ou s'il ne s'agit ici que d'une ancienne croyance passée de protecteur en protecteur au fil des siècles. Bien évidemment, je ne m'attarde pas plus sur le monstre, je lui dédierai bien sûr une vidéo. En tout cas, les habitants de l'île passeront leur vie à essayer de comprendre et maîtriser cette incroyable énergie se trouvant à l'intérieur de l'île, comme les Romains qui vont y construire des puits ou encore l'initiative d'Arma qui construira les stations de l'Orchidée et du Cygne. L'île possède de nombreuses propriétés et surtout en rapport avec le lien entre la vie et la mort. En effet, l'âme d'une personne morte sur l'île pourra être piégée en ce lieu, et d'autres personnes pourront même vivre une nouvelle vie dans laquelle l'île n'a jamais existé. Les personnes qui sont nées sur l'île ou dont leur mère a passé un temps important sur l'île quand elles furent enceintes seront même dotées de capacités. Ainsi, Ethan semble posséder une force prodigieuse et pourra même traîner Charlie et Claire en semant Jack. Miles, lui, pourra même savoir à la vue d'un cadavre comment la personne est morte et quelle a été sa dernière pensée. Évidemment, il y aura une vidéo sur Miles, ne vous inquiétez pas. Les protecteurs de l'île, en plus de ne jamais vieillir et de pouvoir conférer ce pouvoir à quelqu'un d'autre, ont eux aussi plusieurs capacités hors du commun. Mais en 1997, tout change. L'initiative d'Arma cause l'incident, percé d'une importante poche électromagnétique de l'île qui libérera une quantité monstrueuse d'énergie. Depuis ce jour, l'île semble être magique. En effet, le nombre de spermatozoïdes produits par un homme va être multiplié par 5, rendant les hommes stériles à nouveau féconds. L'île semblera être invisible aux yeux du reste du monde, les boussoles deviendront totalement déréglées, et certaines blessures ou maladies vont être soignées. En revanche, cette puissante activité d'électromagnétisme aura des effets néfastes sur les grossesses, puisque depuis ce jour, les femmes mourront si elles tombent enceintes, leur système immunitaire s'attaquant alors au bébé. Tout au long de la série, divers personnages parleront au nom de l'île, comme Ben, Locke, Hurley ou encore Jack vers la fin de l'intrigue, en disant par exemple que l'île n'en a pas fini avec eux, ou que l'île a fait telle chose, ou produit tel acte. Au fil des épisodes, on est amené à se demander si oui ou non l'île possède une conscience et si elle peut vraiment agir d'elle-même. La réponse est non, bien évidemment. La personnification de l'île, bien qu'elle ait encore un mystère pour certains, n'est qu'une ruse de Ben quand il veut agir, ou un moyen pour Richard de parler des agissements de Jacob, ou encore une métaphore pour Locke ou Jack quand il parle de la destinée. Aviez-vous aussi remarqué que l'île n'a pas de nom ? Sawyer l'appelle régulièrement This Rock, Richard Cooper et le monstre l'appellent l'enfer, et Jacob l'appelle The Cork, le bouchon. Mais petite anecdote, les showrunners, eux, lui avaient donné un nom. Un nom qui ne figurera jamais dans le canon de la série. Et ce nom, c'est The Island. L'histoire que nous connaissons de l'île remonte jusqu'à l'Empire romain. Nous ne savons pas, absolument pas, ce qu'il s'est passé avant cette période. Un bateau fait naufrage sur l'île et Claudia accouche de 2 jumeaux avant de se faire tuer par la gardienne de l'île qui les élèvera comme ses propres fils. Les jumeaux grandissent et l'un d'entre eux fera tout pour quitter l'île, se mêlera aux autres romains échoués qui commenceront à construire un moyen de partir. La gardienne tuera alors tous les romains mais son fils adoptif la tua et deviendra ensuite le monstre en se faisant jeter dans la source. L'autre jumeau, quant à lui, deviendra le nouveau protecteur,
nommé Jacob. Des Égyptiens arrivent alors sur l'île et y restent durant une longue période en y bâtissant tout un tas de structures que nous retrouverons dans les épisodes et en achevant le système de la roue pour quitter l'île. Jacob vit à présent dans une statue gigantesque représentant la déesse Taouré. Différentes cultures s'échouent elles aussi et Jacob essaye de trouver chez elle une personne pour le remplacer, comme nous le montrent les écritures mésopotamiennes ou les structures bouddhistes dans les bâtisses. À un certain moment de l'histoire, les Égyptiens quittent l'île, comme nous le voyons sur la toile de Jacob. Nous nous retrouvons alors en 1867, Jacob est seul sur l'île, le monstre ayant tué tous les anciens candidats les siècles durant. Jacob fait alors échouer le Black Rock qui détruira au passage la statue de Taouré. Tous les passagers meurent par le monstre à part Ricardo, que la fumée noire veut utiliser pour tuer le protecteur. Ricardo rejoint finalement Jacob et deviendra son bras droit. A partir de là, Ricardo, devenu Richard, amènera de nouvelles personnes sur l'île et formera un groupe que nos survivants appelleront plus tard les autres. Durant les années 50, les Américains font des tests nucléaires dans le Pacifique. Ils trouvent l'île, mais l'armée se fait tuer par le groupe de Richard voulant la protéger et enterrent leur bombe H dans un tunnel. On avance encore un peu, dans les années 70 à 90, l'initiative DARMA, grâce à la poche d'énergie de Los Angeles, trouve l'île et s'y installe. Il s'agit d'un grand groupe de scientifiques voulant étudier les propriétés électromagnétiques spéciales de l'île. Ils se feront alors tous tuer par les autres, dirigés à ce moment-là par Eloise Hawking et Charles Widmore, qui utiliseront l'une de leurs propres stations pour les empoisonner. Quelques années plus tard, Widmore est banni pour mauvaise conduite et Ben devient le nouveau chef. Attiré par un signal radio de l'initiative DARMA, une équipe scientifique française échoue sur l'île. Seul Daniel Rousseau survivra, son bébé se fera enlever par les autres et elle restera 16 ans seule sur l'île. En 2001, c'est Desmond Hume qui s'échoue sur l'île et en 2004, Henry Gale y atterrit avec son ballon. Nous voici maintenant le 22 septembre 2004, Jacob n'a toujours pas trouvé de remplaçant comme protecteur de l'île qui lui convienne et fait alors en sorte que le vol océanique 815 s'écrase sur l'île. Et c'est à ce moment précis que la série commence. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo sur l'île vous aura plu. N'hésitez pas à enrichir tout ça dans les commentaires et même à poser vos questions. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui aura comme thème la roue gelée. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux Losties que vous connaissez, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais que l'île n'en a pas fini avec vous.